Il faut qu'on parle. Je suis allé un peu trop loin en journée. Écoute, on va pas le faire devant la porte. Bonsoir les enfants. Bonsoir tonton, sois le bienvenu. Bonsoir mon chéri, viens t'installer. Michel, j'ai été vraiment trop dur avec toi en journée et je te demande sincèrement pardon pour ça. Chérie, écoute, tu n'as pas à me demander des excuses. Tu vois, cette situation m'embarrasse autant que toi. Moi-même, je serai la femme la plus heureuse en tenant ton enfant dans mes bras. Chérie, les docteurs ont raison. Nous devons être patients. L'enfant, c'est une décision de Dieu. On l'aura notre enfant, mon amour. Je vois, tu m'as l'air vraiment fatiguée, chérie. Je m'en vais te préparer une douche chaude. Oh, merci. Ça me fera du bien de prendre une douche vraiment chaude, chérie. Okay. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Bon appétit. Merci. Bébé à table. Alors les filles, je vous présente mon ami Nema. Vous savez, depuis le décès de votre papa, j'ai trop souffert. Je ressentais un poids qui pesait sur moi. Alors depuis que mon chéri Nema est entré dans ma vie, j'ai ressenti ce poids-là s'amoindrir. Déma, voici les filles. Les filles dont je t'ai parlé longtemps. Les sœurs et chez leur oncle à Bonapriso pour le moment. Les filles, enchantées de faire votre connaissance. Le plaisir est partagé. Je suis aussi ravie de vous connaître. Ah, merci. Mais, maman. Quand tu dis ton ami, je comprends pas. Tu peux être un peu plus explicite, s'il te plaît. Tu ne comprends pas quoi? Arrête d'être villageoise. Elle parle de son petit ami Justine. Yeah. C'est comme ça que vous appelez ça? Oui, maman. Non, mais maman, tu me déçois. Je suis pas ta soeur. Passe ici. Chérie. Peut-être qu'elle ne supporte pas ma présence. Il faut que je parte. Non. Tu ne pars pas. Les enfants ne doivent pas me dire comment je vais vivre ma vie. Chérie. Je dis personne ne bouge. Elle va me sortir. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Ne joue pas à ce jeu-là avec moi. Lève-toi, tu peux présenter les excuses à mon ami. Ne compte pas sur moi, maman. Dis-moi un peu. Tu le connais? Je ne veux pas d'un nouveau père dans nos vies, maman. Pardon? Je ne veux pas d'un nouveau père dans nos vies. Ah bon? C'est ça. Ce n'est pas vous qui allez me dicter comment vivre ma vie. Lève-toi sur ce lit et va lui présenter tes excuses. Je préfère quitter la maison que de le faire, maman. Pardon? C'est ce qu'on va voir. Tu dis... Attends, tu dis quoi? Que tu préfères quitter la maison, tu es déjà grande, n'est-ce pas? Tu es déjà grande. C'est ce qu'on va voir.
ou c'est moi qui vous commande ici ou c'est pas moi. Tu préfères quitter la maison? Oh, c'est pas un dame là. Connard. Je te trouve très sympa. Merci. Pourquoi ta soeur est comme ça avec moi? Ne vous souciez pas d'elle. Ce sont comme ça. Elle est jalouse du bonheur de tout le monde dans cette maison. Même celui de sa mère. En plus, tu es rigolote. Dis-moi, tu travailles déjà? Je suis influenceuse nette. Waouh! Super et cool comme métier. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Tu parles de quoi? Tout le monde me traite de folle dans cette maison à cause de ce métier. Peut-être parce que ça ne rapporte pas encore quelque chose dans la marmite. Pour le moment, non, mais dans les jours à venir, je vivrai de ça. J'aime la façon avec laquelle tu appréhendes ton travail. Il faut croire en ses rêves et se donner le moyen de les rendre réels. Et vous, vous travaillez dans quoi? J'ai fait les études en art et spectacle à Paris. Les choses n'ont pas été faciles pour moi. J'ai décidé de revenir au Cameroun et depuis que je suis là, tout ce que je vois, je fais. Ok, mais disons que ça marche bien. Ce repas est délicieux, chérie. Merci, mon amour. Tu sais, tu as toujours aimé ma façon de faire la cuisine. Parce que tu le fais avec amour. Tu y mets du cœur. Arrête de parler comme ça, chérie. Tu vas me faire rougir. Bon appétit, mon amour. Merci, chérie. Bon appétit. Merci. Oh là là. Rassure-toi, ça va pas me couper l'appétit. Hein. Il est très bon ce repas. Merci. N'attendez pas peut-être à cette nouvelle. Je pense qu'il faut lui donner du temps. Qu'est-ce qu'elle croyait? Que comme son père est décédé depuis, je devais rester comme ça, toute seule. Que je n'ai plus droit à l'amour. Tu sais, on accouche les enfants et non leur cœur. Oh. Et sa sœur? Comment tu l'as trouvée? J'espère qu'elle t'a pas saoulée, hein? Non. Au contraire, elle m'a plutôt bien tenu compagnie. Je l'aime bien. Ok. Comme tu le dis, celle-là, même moi, sa propre maman, je n'arrive plus à la supporter même pour 5 minutes avec ses histoires de TikTok et autres. Elle ne reste que sur le téléphone. Sa tête est fixée seulement sur le téléphone. Son problème, c'est le téléphone. Même la vaisselle, elle ne connaît pas. Elle ne connaît rien. Moi, je pense que il faut plutôt la cadrer. Demain, qui sait, le monde entier pourra la connaître. Je vois que elle a réussi à te corrompre. Merci. You lost another one.